Que signifie le mot insomnie? Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, à vous tous, téléspectateurs, que vous nous suivez, vous nous accompagnez à travers de cette chaîne de prière, de cette chaîne d'émission Arrêtez de souffrir. Cette émission qui est réalisée exactement, le mot veut dire, pour ceux qui souffrent et qui n'arrivent pas à trouver une solution, qui se trouvent perdus, se trouvent désorientés, des personnes qui n'arrivent pas à trouver le goût à la vie, des personnes qui ont perdu la paix, comme vous venez de voir, n'arrivent pas à dormir, des personnes qui n'ont pas de tranquillité. Peut-être vous êtes une personne que vous souffrez actuellement d'un des problèmes que peut-être ont été cités ici ou que seront cités ici dans cette émission. Problème sentimental, un problème conjugal, un problème financier. Je ne sais pas quel domaine de votre vie a été atteint ou affecté. Peut-être votre famille a été affectée, a été touchée par un mal, par un problème. Et aujourd'hui, il y a division, querelle, dispute. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir et de vous empêcher d'avoir un changement de vie. Qu'est-ce que vous que vous m'écoutez, vous que vous m'accompagnez, qu'est-ce qu'il y a dans votre vie que vous ne voulez plus accepter, que vous voulez dire arrête, ça suffit. Nous allons, dans le déroulement de cette émission, parler plus à ce sujet, parce que, vous savez, la Bible dit, la parole de Dieu nous dit que tout ce que l'homme détermine, c'est ce qu'il arrive. Si vous déterminez ce qui est négatif, c'est le négatif qui arrive. Mais si vous déterminez ce qui est positif, alors sera le positif qui arrivera. C'est pour cette raison que j'aimerais vous inviter à vous tous, vous, madame, vous, monsieur, à nous accompagner et à même, si vous pouvez, envoyer un message à quelqu'un que vous connaissez qui souffre, qui est en dépression, qui est dans la souffrance, et qui a besoin de l'aide, a besoin de changer de vie. Et vous ne savez pas comment l'aider. Vos paroles n'arrivent plus à venir à ça, au besoin qu'elle a. Envoyez-nous un message, un audio, dire oh, connecte-toi à Canal 10, accompagne telle émission, ça va t'aider. Et certainement, vous allez voir que ça va vous apporter à vous et à cette personne un soulagement, une aide, une direction pour que cette situation puisse changer. Nous allons accompagner un témoignage d'une dame qui a souffert dans sa vie sentimentale d'ailleurs, et qui aujourd'hui a trouvé une direction, une solution. Elle a dit arrête à sa souffrance, et cette souffrance s'est arrêtée. Accompagnée, on revient tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Marie-Françoise. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'avais des problèmes dans mon couple. J'étais au chômage et j'avais énormément des problèmes financiers, mais également dans la famille. Donc,
tous ces problèmes que j'avais, en fait, se répercutaient dans mon intérieur. Donc, j'étais triste, j'étais très angoissée. J'avais pas mal de disputes avec mon compagnon à l'époque. Et je trouvais du boulot, mais c'était uniquement des petits contrats. Et ce qui n'arrangeait pas les choses, en fait. Et en fait, moi, j'avais ce désir de me marier. Et pour mon compagnon, il n'était pas d'accord. Il était hors de question, en fait, qu'on se marie. Et tout cela engendrait des problèmes dans mon intérieur. Donc, j'étais tout le temps énervée vis-à-vis de lui, ce qui entraînait des disputes. J'étais tout le temps angoissée. Et je me posais des questions, en fait, des questionnements et dont je n'avais pas de réponse. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil universel. En arrivant au centre d'accueil, j'ai commencé à voir, grâce aux propos en fait que j'avais commencé, les chaînes de prière, j'ai vu l'amélioration dans mon couple. On avait de moins en moins de disputes. Dans la famille, les choses commençaient à s'améliorer et également dans mon intérieur. Parce que en fait, je sentais ce besoin, je sentais que ça me faisait du bien, je sentais ce besoin de venir régulièrement et tout ce que j'entendais qui sortait de l'hôtel me touchait. Et particulièrement, ça me permettait d'avancer. Donc, j'ai continué à persévérer toujours des campagnes d'Israël pour ma vie sentimentale, mais je ne voyais pas de réponse. Petit à petit, en fait, en écoutant l'homme de Dieu, en écoutant la parole qui venait de l'autel, j'ai tout mis de côté. Je me suis concentrée davantage en ce qui concerne ma vie spirituelle. Et là, il y a eu le propos qui a commencé le jeûne de Daniel, et c'est de là que j'ai reçu de chez moi. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'ai reçu le plus grand trésor que Dieu puisse donner, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ce jour-là a été un jour extraordinaire. Mon intérieur, j'avais cette paix. C'est là que j'ai commencé à comprendre ce que Dieu voulait réellement de moi. C'est après que j'ai commencé concernant ma vie sentimentale. En fait, j'ai tout laissé entre la main de Dieu. Je l'ai laissé agir. Et c'est après mon mari. Mon compagnon, qui ne voulait pas entendre parler de mariage, c'est lui en fait qui m'a demandé justement en mariage, qui m'a parlé de mariage. Et c'est par la suite en fait que j'ai vu que le changement commençait à s'opérer dans ma vie sentimentale. Et là, nous avons fixé une date et depuis, en fait, nous sommes mariés. À travers de cette expérience, Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait prioriser d'abord ma vie spirituelle. Et si au moment où je me suis sentie bien dans mon intérieur, donc à ce moment, il m'a donné en fait ce que je voulais, ce que j'attendais en fait, c'était mon mariage. Et c'est là que s'est opérée cette transformation déjà en moi qui a permis à mon compagnon en fait de vouloir en fait plus avec moi et de vouloir justement qu'on se marie. Il faut dire que ça faisait à peu près, oh là là, mon Dieu, on va dire 23 ans que j'étais en contrat, en fait. En fait, en contrat, mais des CDD, de CDD en CDD. Et ça a duré 23 ans. Et là, je me suis révoltée. Je n'ai pas accepté, en fait. Et là, je me suis décidée à passer des concours. La première fois en fait, quand j'ai passé ce concours, je n'ai pas eu de résultat tout de suite parce que c'était voué à un échec la première fois. Et j'ai continué dans la persévérance. J'ai continué dans les cas impossibles les samedis matins. Et la campagne est arrivée. Et là, j'ai sacrifié. Et l'année suivante, en fait, j'ai pu obtenir justement ce concours. Mais je ne l'ai pas obtenu en fait juste pour l'obtenir, puisque dans ma prière en fait, dans ma révolte, je disais au Seigneur. J'ai besoin d'obtenir ce concours, certes, mais je veux également que mon nom soit sur la liste principale pour témoigner de ta gloire. J'avais obtenu 19,58. C'est là que j'ai vu la main de Dieu opérer dans ma vie professionnelle et j'ai terminé 23e sur la liste principale. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix, j'ai cette joie de voir ma famille restaurée. J'ai cette joie de voir mon couple béni. Je me suis mariée sur l'autel et aujourd'hui je travaille dans un grand ministère que j'ai eu l'occasion de choisir par moi-même et je suis heureuse. En fait, j'occupe un poste que je n'aurais jamais imaginé occuper.
Mais le plus grand trésor, le bien le plus précieux que j'ai pu obtenir face à ma détermination depuis que je suis aujourd'hui au centre d'accueil universel, ce plus grand trésor, en fait, c'est concernant ma vie spirituelle. J'avoue, en fait, que cette joie que j'ai, cette paix que j'ai, je le retrouve par rapport au Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Parce que je dis que tous les jours, en fait, j'imagine que si Dieu, je n'avais pas Dieu dans ma vie, si je n'étais pas obéissante vis-à-vis à la parole de Dieu, je n'aurais jamais connu en fait cette joie, cette force malgré les luttes, malgré les combats. J'ai conscience en fait que Dieu, il est là, qu'il est avec moi en fait, qu'il me garde, qu'il me protège, qu'il me permet, qu'il me donne cette force d'avancer et d'aujourd'hui de témoigner de ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois, je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Exactement. Le suicide n'est pas la solution. Il y a une sortie pour votre problème. Vous venez d'accompagner ce témoignage. Bonsoir à tous ceux qui viennent se connecter. Et vous pouvez voir, constater que cette personne que vous avez accompagné le témoignage de cette personne, vous pouvez voir qu'elle a trouvé une solution. Elle a trouvé une direction pour sa vie. Regardez qu'elle ne parle pas seulement par rapport à la vie sentimentale, mais elle parle aussi par rapport à cette situation financière. 23 ans avec un CDD. Ça paraît mensonge même, n'est-ce pas? Ça paraît bizarre, c'est pas possible. Mais pour autant, ça existe. Et peut-être vous êtes une personne que, peut-être ce n'est pas CDD, peut-être c'est son travail, chômage. Peut-être vous êtes une personne que vous n'arrivez pas à trouver la solution pour ce blocage financier. Vous êtes quelqu'un que, dans votre vie sentimentale, vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Vous êtes toujours avec des mauvaises personnes. Et des fois, qui sont mal intentionnés. Et vous avez déjà souffert. D'ailleurs, ici dans cette émission, profitons aujourd'hui, je voulais vous faire une invitation spéciale pour cette réunion qu'on aura demain. Cette réunion qu'on aura demain, ici aux Abîmes, dans notre siège, au centre d'accueil universel, au 6 Morne-Verguin, nous allons avoir lieu à une cérémonie tout à fait spéciale. Une réunion qui aura comme but de vous transmettre à vous, téléspectateurs, à vous, madame, à vous, monsieur, une parole de force, une parole de vie. Qu'est-ce que dans votre vie vous avez besoin pour que la situation que vous êtes en train de vivre puisse changer? Qu'est-ce que vous avez besoin pour que ce problème lequel vous êtes en train de vivre puisse terminer? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez besoin pour que cette situation change? Vous avez besoin d'une direction, d'une parole. Je parle dans ce domaine sentimental. Vous que vous avez des disputes dans votre couple, vous que vous avez des disputes dans votre mariage, vous que vous avez des divisions, séparation, trahison, peut-être divorce, peut-être la famille a des problèmes, les enfants. Demain alors, à 18h, vous êtes mon invité spécial. Peut-être jamais vous êtes venu au centre d'accueil. Et tous les autres jours,
Peut-être vous n'avez pas le temps de venir parce qu'il a le travail, il a l'école des enfants, il a plein de choses. Mais demain, c'est férié. Demain, vous aurez l'opportunité de venir chercher cette direction. Venez participer. Venez regarder. Venez accompagner ce que se passe dans la réunion de la thérapie de l'amour. Et certainement, vous allez voir que cela va vous apporter une direction, un résultat. Nous allons accompagner encore un autre témoignage et nous revenons d'ici à quelques instants pour pouvoir faire la prière avec vous et déterminer que la main de Dieu vienne agir dans votre vie. Bonjour, je m'appelle Madame Sylvie. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais des problèmes dans mon couple et je voulais absolument divorcer. C'était un problème spirituel, je pense. Tout allait bien et du jour au lendemain, c'était des problèmes qui venaient pour tout et n'importe quoi. Il suffisait qu'une personne, une femme ou une collègue l'appelle et pour moi, c'était un souci. Et j'avais plus confiance en moi, j'avais perdu confiance en moi. Je lui en voulais pour tout et pour rien, pour la situation qu'on vivait, et ce problème-là, qui est au départ le problème de couple, ça touchait aussi les enfants, ça touchait la famille. Et lorsqu'on parle de divorce, on ne parle pas que d'une personne, donc on parle des enfants si on a des enfants, de la famille et des mensonges aussi pour que on se dit si je dis cette chose contre lui. Ben, les gens, ils vont venir pour avec moi. Donc du coup, j'ai inventé des fois des choses pour que qu'ils soient en tort, que tout le monde le déteste, que tout le monde voit qu'il n'est pas ni un bon père ni un bon mari. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Mais ça m'a créé aussi une dépression parce que je commençais à faire du sport à outrance. Je faisais du sport parfois 8 heures par jour. Ça allait de courir, footing le matin, j'allais à la piscine après, le soir je repartais courir. Donc j'étais vraiment devenue perturbée à cause de la situation, du problème. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai été invitée par une personne, j'ai été évangélisée par une personne, je suis arrivée au centre d'accueil. Et lorsque je suis arrivée, on m'a conseillé de faire des propos. Donc j'ai fait des propos le lundi parce que j'avais des problèmes financiers, je travaillais pas. Je fais le propos de mercredi parce que j'avais mon intérieur vraiment était j'étais pas bien intérieurement, c'est le psychologique, ça n'allait pas, c'est tout n'allait pas à mon intérieur. Donc j'ai été là le mercredi aussi. Donc du coup, j'ai fait les chaînes de prière de vendredi aussi pour la délivrance parce que c'est moi en fait qui était le problème, mais pour moi, je voyais pas que c'était moi. Pour moi, c'était les autres. Et petit à petit, avec les chaînes de prière que je faisais, je voyais que ma vie a commencé à... Je commençais à être une autre personne. Et même mon mari, il me voyait arriver venir au centre d'accueil. On faisait des propos. Il me disait, c'est quoi encore cette secte où t'es allé tomber? C'est pas possible. Mais en voyant mon changement, il s'est dit, bah, si elle parvient à changer, c'est que vraiment, là où elle va, c'est quelque chose de bien. Et il est arrivé la campagne d'Israël. Et à cette campagne d'Israël, j'ai compris ce que c'était la campagne d'Israël. Donc du coup, du spirituel, je priais. Tous les jours, j'allais à l'époque, on pouvait aller à l'église à 7h. J'allais tous les jours à 7h du matin. Je me réveillais à 3h du matin pour prier. J'étais vraiment du côté spirituel, je me suis donnée. J'ai dit, cette campagne doit changer ma vie, doit changer mon couple, doit changer ma famille. Parce qu'il y avait aussi 2 enfants dans l'histoire, il n'y avait pas que 2 personnes. Et je me suis dit, Seigneur, tout, tu dois faire tout pour moi. Parce que j'écoutais les témoignages aussi. J'ai vu que la vie des personnes a changé par rapport à leurs témoignages. Donc je me dis, moi aussi, cette campagne d'Israël, c'est ma dernière chance. Et dès que j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel, mon mari me dit, ben, je vois que t'as vraiment été transformée. Je vois que cette église, là où tu vas, c'est vraiment quelque chose de bien. Parce que pour que toi, tu puisses être transformée, parce que j'étais quelqu'un de colérique, colérique, acariâtre, j'étais vraiment tout ce qu'un homme ne peut pas vouloir, ou une amie, ou une personne, parce que j'avais raison, mais les autres avaient toujours tort. Et du coup, dès que j'ai déposé mon sacrifice, il a commencé à venir aussi avec moi au centre d'accueil. Et lui aussi, maintenant, il est fidèle, il est là, présent avec moi.
Et Dieu a complètement changé, transformé toute ma vie. Ma vie familiale, c'est les sourires, les rires, c'est vraiment le jour et la nuit de quand j'étais venue. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Mon mariage va très bien parce qu'on est dans la même foi, on se comprend. Et j'ai la paix en moi. Rien ne peut me perturber. Je suis vraiment une personne qui sert Dieu, qui a le souci de sauver aussi les autres, parce que je vois d'où je suis venue et j'ai fait ce vœu avec Dieu de sauver aussi les autres, parce que moi, d'où il m'a sorti, je suis sûre et certaine que peu importe la situation que les personnes vivent, peu importe ce qu'ils sont en train de traverser, Dieu est là. Il suffit juste de lui faire confiance. Et ce vœu-là, je l'ai fait avec Dieu pour sauver le maximum de personnes et les orienter, être présente, les écouter comme moi aussi on m'a écouté, on m'a orienté. Vous voyez ce que Dieu fait dans la vie de cette personne. Vous voyez comment Dieu opère. Vous voyez comment Dieu, il est en train d'agir dans la vie de ces personnes. Le même veut agir dans votre vie. Ce que Dieu a fait dans la vie de cette dame, un changement total et complet, Dieu veut le réaliser. Je vous invite alors, demain, à venir à 18h, ici dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, afin de pouvoir, mes amis, recevoir cette bénédiction que va certainement bénir votre vie. On va se préparer pour la prière, préparer le verre d'eau, on va parler avec Dieu. Un moment là, ça? Participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul qui peut aider. Nous caillons sembler foi en nous basotes. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, nous entrons devant ta présence en ce moment pour pouvoir demander au Seigneur que tu viennes à bénir, à diriger, à conduire et à apporter à ces personnes qui sont là la direction pour leur vie. Mon Dieu, je sais que mon Père, mes paroles sont peut-être peu une prière simple que nous allons réaliser ici. Mais mon Père, au nom du Seigneur Jésus, qu'à travers de la foi de ton peuple, de ces personnes que nous accompagnent, que peut-être n'ont aucune autre issue, ni aucune autre personne à qui demander de l'aide. Ce sont des personnes en réalité qui ont tout perdu. Des personnes qui ont perdu le goût de vie, ou de vivre, le goût d'exister, des personnes que, mon Dieu, peut-être, peu importe ce que les autres le disent, c'est comme si elle s'est déjà dit, pour moi, il n'y a pas de solution. Je suis né comme ça, déjà où je suis né, la manière comme je suis né, ça me donne le dégoût d'exister. Je n'ai pas envie de vivre, je ne m'aime pas, je ne veux pas me voir au miroir, j'ai du mal à me regarder, à vivre sur ce poids, des personnes qui portent un poids et qui n'arrivent pas à se débarrasser de ce poids. Mon Dieu, viens au secours de ces personnes. Viens consacrer ce verre d'eau, viens bénir. Et qu'au moment qu'ils vont boire, qu'ils reçoivent la vie. Au nom de Jésus. Et si vous croyez vite, que ainsi soit-il. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis. Amen. Amen. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Vous avez les numéros qui s'affichent sur votre écran, que vous pouvez nous appeler à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. Et mes chers amis, il est temps pour que votre histoire, elle change. Il est temps que votre vie, elle change. C'est pour cela que demain, 18h, vous êtes notre invité spécial. 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. D'ailleurs, on va vous laisser avec les adresses. Une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Et à une prochaine fois. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 Quai Lefèvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François,
à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Voici une opportunité d'être heureux, d'être aimé et partagé, reconstruire. Venez recevoir la bénédiction de Dieu dans votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire, fiancé ou marié, la thérapie de l'amour vous invite ce jeudi 26 mai, spécialement à 18h, pour la grande bénédiction de la vie sentimentale. Avec la présence de l'évêque et tous les pasteurs du CAU en Guadeloupe, rejoignez-nous à notre siège au centre d'accueil des Abîmes. Ne ratez pas cette opportunité de changer l'histoire de votre vie amoureuse. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu, l'amour c'est les deux ensemble. Avec lui nous allons le construire. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu, l'amour c'est les deux ensemble. Un amour intelligent, oui, avec Dieu. Bonjour, nous voici en ce moment dimanche, le premier dimanche des signes, au centre d'accueil universel qui se situe au 6 Morne Verguin aux Abîmes. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, les personnes sont en train d'arriver. Donc le peuple a déjà commencé à arriver très tôt pour pouvoir se préparer à assister à cette clameur en fait pour les signes. Parce que des fois on se dit, mais j'aurais bien voulu avoir un signe de Dieu. Donc c'est ce qu'on est venu chercher aujourd'hui, un signe de Dieu, et on vous laisse avec quelques images de la réunion. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Jésus n'a pas dit que les choses seront faciles. Il a dit, dans le monde vous aurez, mais prenez courage. Jésus n'a pas dit que les chemins seraient faciles. Il n'a pas dit que c'est facilité lorsqu'on donne notre vie à Dieu. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que nous aurons des tribulations. Mais prenez quoi? Courage. Si vous êtes ici aujourd'hui, ça veut dire que vous avez la force et il bénira votre vie. Jésus rentre à votre intérieur en ce moment. Recevez la vie, recevez la paix, recevez la force de Dieu. Recevez le pouvoir de Dieu dans votre vie. Soyez libre de votre passé. Si vous êtes arrivé ici avec un passé obscur, un passé de condamnation, Jésus vous délivre de ce passé de tourment, ce passé de condamnation. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore dans notre vie. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites amen. Acclamez au Seigneur Jésus. Alors nous revoilà ici en compagnie de Madame Franciane. Alors, Madame Franciane, qui vient de participer à la réunion, justement, le dimanche, le premier dimanche des signes. Alors, Madame Franciane, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que Dieu a parlé avec vous? Comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, ça a été une réunion très enrichissante, dans le sens où j'ai pu comprendre que, bon, même si je traverse les problèmes, que Dieu veut opérer et il veut que les signes, c'est-à-dire les promesses qu'il a pour moi, se manifestent à travers les signes. Voilà.
En effet, c'est bien cela. Et qu'est-ce que vous pourrez dire à quelqu'un, par exemple, qui n'est jamais venu, qui a envie de venir, qui a déjà entendu parler du centre d'accueil universel, mais qui n'a pas encore pris réellement la décision de venir? Eh bien, je pourrais dire à cette personne qu'il y a une solution. Même si elle se sent seule, elle se sent démunie face au problème, qu'il y a un problème que Dieu peut résoudre. Le seul problème qu'elle, elle ne peut pas résoudre, Dieu a la solution. Donc elle peut voir aussi la manifestation des signes de Dieu dans sa vie. Eh bien voilà, on vient d'entendre l'opinion de Madame Franciane. Et vous aussi, vous êtes tous invités à venir participer avec nous au prochain dimanche des signes, c'est-à-dire la semaine prochaine, le dimanche de la fête des mères. Participez tous les dimanches à 7h ou 9h30 à la concentration de foi et de miracles dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous.